J'étais à la fenêtre de ma chambre, là-haut, et à ce moment-là, il y avait le... où c'est maintenant l'avenue Blériot, c'est un canal, hein. Puis il y avait un quai de chaque côté. Et de chaque côté du canal, il y avait les Allemands qui arrivaient sur leurs motos. Là, ils avaient des grosses motos, des sidecars, même avec un soldat à côté d'eux. Oh, je suis descendue vite fait, je dis « Maman, maman, les Allemands arrivent !» Les Allemands là, effrayants. Par leur tenue, armée jusqu'aux dents, bien sûr. Et ils étaient, on aurait bientôt dit, pour moi gamin, on aurait bientôt dit qu'on les avait tous taillés au même niveau. Vous voyez? On aurait bientôt dit qu'ils faisaient tous la même taille. Ils avaient de grands imperméables en caoutchouc sur eux, avec des grenades dans les ceinturons et tout ce qui s'ensuit. Et ils étaient appuyés sur leurs fusils comme ça. On voyait les gens du Courouillin qui partaient se mettre à l'abri le soir, ils allaient au forissement, ils allaient sous les chalets, ben, et avec des couvertures qu'ils avaient, c'était la mode à l'époque, vraisemblablement des couvertures à carreaux rouges et blancs. Et il y avait, ben, il paraît-il que la cinquième colonne avait des couvertures rouges. Et alors lui, pour plaisanter, il disait toujours, un tel, regarde, tu vois, c'est un espion. Mais oui, c'était la hantise, un peu là, c'était pour plaisanter, mais les couvertures rouges, c'était dans la tête des gens. Et même en 40, quand les Allemands sont entrés en Calais, il y a eu des rumeurs, je ne sais pas si c'est vrai, que des Allemands s'étaient habillés en religieuse et qu'ils tiraient sur les soldats. Ça, ce sont des rumeurs, hein, je ne peux pas. Les problèmes, ce sont des rumeurs seulement. Bon, les restrictions, ben, on ne mangeait pas toujours comme on voulait. Nous, on a eu la chance d'avoir un jardin, donc on avait encore des légumes. Alors, mon père l'aimait bien, c'est quand j'allais à l'école, parce qu'on avait des biscuits vitaminés. Alors, on n'avait qu'une demi-journée pour aller à l'école. Bon, il y avait la récréation, puis on prenait les biscuits, puis il y avait une alerte, hein, on n'était pas à l'école. Et alors, je rapportais toujours des biscuits pour mon père. Hein. Ah oui, partagez bien. Couvre-feu, couvre-feu. Hein. Il fallait être rentré à 8 heures. Être rentré à 8 heures, pas, personne dans les rues à 8 heures. Pas de lumière, surtout. Il fallait mettre des couvertures sur les fenêtres. Il ne fallait pas qu'il y ait un brin de lumière. Enfin, ils n'étaient pas tellement chinois ici, les Allemands, pour ça. Vous savez qu'on était tellement bombardés à l'époque qu'on n'allait pas faire les andouilles, se promener dans les rues, sortir quoi que ce soit. Hein. Pendant les alertes, dont nous entendions le signal bien entendu grâce aux sirènes, nos instituteurs nous faisaient descendre dans les caves et pour nous occuper intelligemment, ils nous faisaient réciter des dates d'histoire de France. Et nous étions incollables en matière de dates d'histoire de France. La mer à 10 ans, on a tout regardé, on peut pas approcher. Une fois par semaine, vous dites chaque fois que c'était possible. Le samedi, il allait à la campagne, il allait à Zutkerk et il ramenait des œufs, pas grand chose parce que vous savez, les paysans donnaient pas grand chose, hein. Enfin, donnaient, ne vendaient pas grand chose. Il nous ramenait des œufs, ça c'est très bien, c'est vrai. Il avait très souvent un litre de lait, quelquefois un morceau de lard, et très très rarement, c'était vraiment une occasion exceptionnelle, quand il tuait un veau ou quelque chose, il y avait un morceau de veau, mais ça n'était jamais un très beau morceau. Et il fallait de la contrepartie, parce que par exemple, un paysan lui demandait, qui était de l'art, demandait des cigarettes eucalyptus. Alors ma tante, qui m'emmenait partout avec elle, nous faisions toutes les pharmacies de Calais pour avoir des cigarettes à l'eucalyptus. Comme ça, mon père lui apportait des cigarettes, il était content, il avait quelquefois... quelque chose en plus, et un autre demandait des clous. Alors quand nous nous promenions, d'abord il y avait toujours le sac pour l'herbe, pour nourrir les lapins, et un autre petit sac où chaque fois qu'on voyait un clou,
produisent n'importe quoi par terre, on le ramassait. Et mon grand-père passait son temps à redresser tout ça, à aplatir tout ça, faisait des sachets et mon père le portait paysan. Il avait bricolé un deuxième réservoir sur sa moto. Les Allemands ont été malins, ils l'auraient vu. Hein. Et il y en avait un, ils mettaient des pièces de beurre dedans. Et l'autre, c'était l'essence. Et il ramenait du beurre de vigne de Luc. Toute la rue du Vauxhall, toute la rue Carpenay, c'était plein d'Anglais qui descendaient des camions, qui passaient une nuit ou deux là et qui reprenaient le bateau pour repartir en Angleterre ou vice-versa. Et ma mère, elle leur donnait elle lavait leur linge quand ils venaient apporter. En échange, comme ils n'avaient pas d'argent, ils donnaient ou du savon, ou du tabac pour mon père. Pas du tabac, des cigarettes. Et puis, quelquefois, ils apportaient un morceau de pain. Et les Anglais, là, qui étaient pour rue du Vauxhall, les aviateurs, ils avaient même apporté pour ma communion un pain gâteau. Au niveau aussi des vêtements, on retournait par exemple votre veste, là, on la décousait complètement et on la mettait sur l'envers et on la recousait parce que c'était plus neuf, quoi. Le tissu à l'envers était plus beau, plus des trucs comme ça. Détricoter des pull-over et les laver la laine, remettre en écheveau. Ma mère, elle tournait puis moi j'avais les deux mains pour les retricoter ou des trucs comme ça, quoi. Une chose que je me souviens bien aussi de la guerre, c'est les combats d'avions. Maintenant, on va au meeting d'aviation, hein, vous êtes allé déjà voir des avions à Marc ou autre, là, faire des exercices. Ben là, on le voyait en réel, les Anglais contre les Allemands, par exemple, et des bombardiers entre deux. On n'avait pas le droit de rester dehors, mais c'était tellement beau qu'on regardait ça comme du spectacle. Mais en mai 40, on ne savait pas que tout avait brûlé, que mes parents n'avaient plus rien. C'est le frère de mon père qui est venu leur annoncer après. Il dit bah, tout a brûlé à Kalineur. Alors ils ont eu droit à une demi-journée par les parties restées, c'est-à-dire rien. Un tas de ruines, les machines, elles étaient tordues par le feu, c'était une apocalypse. Et puis, ils ont juste retrouvé la chatte. La chatte qui avait survécu, comment, j'en sais rien, mais enfin, elle avait survécu. Et tout ce qu'ils ont ramené, la chatte. J'étais bien contente, mais eux, ils l'étaient pas. Hein. C'est en juin 1943, un des plus gros bombardements. Bah, ma mère ne voulait pas partir le soir parce qu'elle était bien chez elle. Elle avait marre de faire la route. Alors moi, je voulais pas rester, et on est parti quand même à 9h du soir, et c'est là qu'il y a eu un des plus gros bombardements. C'est comme la première fois qu'ils ont tiré avec les gros canons, qu'on n'a pas eu plus de fenêtres, rien du tout, ils n'avaient pas prévenu. Tous les carreaux ils étaient cassés. Alors après, ils passaient à l'orange. Quand ils passaient, puis ils disaient marteau, marteau, on savait qu'il fallait ouvrir les portes et les fenêtres pour pas que les carreaux ils cassent. Mais les toitures, par exemple, ils en prenaient surtout sur le haut de l'église là-bas. On ne pouvait pas sortir toute la journée, il fallait avoir une raison. Ma cousine, qui était infirmière, me passe ce brassard. Je cours chercher, il y avait du vin encore dans la cave des fontinettes de la maison. Je me souviens arriver, je suis dans la cave, puis bombardement anglais sur les fontinettes. Alors je me cache dans la cave et puis un bruit violent juste à côté de la porte de la cave qui donnait sur le jardin. Et puis ensuite ça s'est calmé, je suis rentré en courant. Et c'est juste 60 ans après, on trouvait que ce bruit que j'avais entendu juste côté, c'était dans le jardin, c'était peut-être à 5-6 mètres de la porte de la cave qui donnait sur le jardin. Et c'était une bombe de 200 kilos qui n'avait pas explosé.
et la réquisition des logements aussi et de matériel, parce que après il est passé, l'armée allemande avait fait passer une note pour dire que l'armée allemande, les soldats, ils devaient loger chez l'habitant, ce qui permettait à leur idée que de les protéger, parce que l'armée anglaise elle pouvait pas bombarder la ville entière d'un seul coup. Donc s'ils mettaient deux soldats par-ci par-là dans des maisons civiles, et ben comme ça il n'y avait pas de soldats allemands qui étaient casernés dans des baraquements, par exemple à un certain lieu où c'était facile à bombarder. Là on en tuait 200 d'un seul coup, vous comprenez, et en éparpillant la troupe comme ça, pour eux c'était une bonne formule. Et ils sont arrivés chez les grands-parents, ils ont dit on réquisitionne, parce qu'il y avait un grand hangar, ils ont dit on va vous réquisitionner pour faire les cantines. De toute façon, vous ne pouvez que dire oui. Alors ils se sont installés là pendant 2-3 ans, si bien que moi je côtoyais les soldats allemands. Mes parents avaient les voitures qui étaient là. Alors, je me souviens que ma mère avait sa voiture préférée, une voiture de collection de 1929, un cabriolet Renault avec des portes recouvertes de cuir à l'extérieur, enfin qui était très joli, un cabriolet. Et c'était vraiment une superbe bagnole qui avait gagné le premier prix, je crois, de carrosserie. Bon, quand les Allemands ont occupé la maison, les voitures, il fallait les mettre dehors. Et je me souviens que cette voiture-là, puis une autre voiture, on avait aussi une traction avant. On a pris des voitures après-guerre. Puis alors, les Allemands avaient réquisé le garage, donc ils ont pris leur voiture là. Mon père, pendant la guerre, avait acheté un poste. Je ne sais pas comment il avait pu l'avoir, enfin, si toi c'était clandestin. Et nous écoutions donc Londres. Mais il fallait nous cacher. Alors il avait un accord parce que nous expliquions où nous habitions, on est en France, et nous avions un jardin, et notre jardin donnait à angle droit dans le jardin d'une autre maison, de la rue des Cartes. Et il avait un accord, le monsieur venait aux nouvelles au bout de son jardin, et si on avait sonné chez nous, il était d'accord que mon père passait le pote au-dessus du jardin, il était évacué par l'autre côté, quoi. Et parce que ça, c'était absolument interdit. Hein. Nous avons eu l'autorisation de retourner chez nous pour sauver ce qui pouvait l'être. La maison, qui était très vaste, a été incendiée, sauf la cuisine. La cuisine où nous avons pu récupérer un petit peu de vaisselle, les couverts. C'est tout ce qui a été sauvé de la maison, qui était d'ailleurs très bien meublée. Donc on a tout perdu en 1940. Autre fait caractéristique, je me souvenais que dans l'abri dont je vous ai parlé, et qui était lui tout à fait intact, il y avait un seau de miel de 5 kilos que nous avions mis là, et j'ai voulu absolument récupérer ce seau de miel. Mais l'abri était enfumé complètement. Alors je me souviens avoir pris ma respiration et puis à tâtons essayé d'aller récupérer le pot de miel dont je connaissais absolument l'emplacement avec beaucoup de certitude. Une première tentative, j'ai fait marche arrière parce que si je restais, j'allais être asphyxié. Une deuxième tentative aussi infructueuse. C'est à la troisième tentative que j'ai réussi à récupérer les 5 kilos de miel qui étaient précieux à cette époque pour les sortir. Alors avec ce que nous avons pu sauver de la cuisine et de l'abri, bien nous étions heureux, heureux surtout d'être en vie. Il n'y avait plus personne qui habitait Calénor. On n'y allait pas. Ouais. On voyait Calénor du pont. On avait mal au cœur puisque personne passait, il n'y avait plus rien. On écoutait tous les messages pour la résistance. Alors les messages, c'était des phrases ridicules. Le boulanger a fait brûler le pain, le jardinier a planté 52 terrains à l'envers. Et des tas de machins, ça durait des heures, les messages personnels pour les résistants. Même pour le débarquement, il y avait un message personnel aussi, comme ça. C'était les messages personnels qui avertissaient du débarquement, c'était les sons lugubres et longs. Ça, c'est un message des débarquements.
de mars 44, un autre ordre d'évacuation fut ordonné et concernait cette fois les enfants de 6 à 14 ans. Oh, c'était précis tout ça. Oui, c'était vraiment précis. Alors comme il fallait vraiment évacuer, mon père, il n'a rien trouvé de mieux que d'envoyer ma sœur et moi, qui avait ses âgeurs. Donc j'ai évacué, alors avec ma sœur. Mon père, il nous a envoyé à Saint-Angoël, près de Neuilly-les-Mines, chez les parents de la fiancée de mon frère, monsieur et madame Chauvin. Et on est parti là 6 mois. Après, ça a été l'ordre d'évacuation qui fut donné. Nous partîmes tous les 5, le petit frère dans le landau, ma petite sœur qui était assise dessus, et je poussais. Ma mère avait des baluchons. Mon père traînant le vélo avec quelques bricoles ramassées en vitesse. Et nous fûmes dirigés sur Ardres, où un cultivateur avait ouvert sa grange pour qu'une dizaine de personnes, enfin, il n'y avait pas que nous, mais nous, c'est un cultivateur, une dizaine de personnes puissent se reposer dans la paille en compagnie des rats. J'ai fait la connaissance de monsieur Jacques Vendroux, le futur maire de Calais, beau-frère du général de Gaulle. Et ce que nous avons fait tous les deux, notre travail consistait à nous rendre à la gare centrale, à passer dans les rames de wagons de voyageurs, d'ouvrir les portes et de recenser le nombre de bébés qui accompagnaient leur maman pour pouvoir leur ramener quelques demi-heure après, du lait en bouteille que nous allions chercher à la goutte de lait rue de Chantilly. C'était le travail que je faisais avec Jacques Vendroux, qui était tout à fait sympathique, et que j'ai eu la surprise de retrouver au moment de la libération, eh bien, en capitaine français. En cours de route, nous croisâmes le commandant Mangin. Et franchement, sa vision m'est encore intacte. Sa moto, avec des grosses lunettes, un casque, un tablier en kaki, oh, je le vois encore, malgré qu'il faisait presque nuit. Et il avait vraiment un air peu engageant. Il était menaçant de nous trouver là. Heureusement, mon oncle arrivait donc, et il nous laissa partir. Hélas, peu de temps après, il se faisait tuer. Prisonniers, eux, ils nous écrivaient, ils avaient le droit à une lettre et une carte par mot. Alors c'était papier, ça faisait comme une enveloppe, mais qui n'était pas fermée. Alors on avait qu'à le séparer. D'un côté, les prisonniers avaient écrit et replié comme une enveloppe et on ne le timbrait pas, rien du tout. Les adresses, ils étaient marquées. Je suis allé me présenter à la Croix-Rouge, boulevard Jacquard. La présidente de l'époque, c'était madame Debray, fabricante de tulle. Et j'ai été embauché, ça c'était donc en 1942, j'avais 12 ans, à la Croix-Rouge. Et le travail qui m'était confié avec les personnes qui étaient là, c'était dans les salons de cette très belle demeure de la grande bourgeoisie calaisienne, de constituer des colis, fabriquer des colis pour les prisonniers de guerre. Et on mettait dans ces cartons eh bien, des boîtes de sardines, du pain d'épices, du pâté, c'est-à-dire des denrées qui étaient rares à l'époque, mais qui avaient été réservées pour faire ces colis de prisonniers. Vers 1944, quand les Allemands ont fait sauter les écluses, etc., puis tout était inondé jusque dans Calais, et dans la rue des Prairies, où j'habitais aussi, il y avait de l'eau. La cave était inondée et mon père collectionnait, comme son père aussi, il y avait des bouteilles qui dataient de 1910,
18, 1920, etc. Et toutes les étiquettes étaient parties. J'avais chahuté pendant le cours de mathématiques. Il a décidé, à juste titre, de me retenir 10 minutes avec un camarade. Donc, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, il nous a rendu notre liberté. J'ai repris le boulevard, le pont de Saint-Pierre, le boulevard Lafayette avec ce camarade, arrivé à l'endroit où existait un magasin qui s'appelait l'Anneau d'Or et qui est à proximité de l'école Louise Paulet. Nous avons entendu le sifflement caractéristique des bombes après avoir entendu les avions. Réflexe, on s'est précipité dans une cave et les bombes étaient tombées sur le quartier Saint-Pierre à la fin du bombardement. J'ai repris ma route pour rentrer à la maison. Je suis passé derrière l'église Saint-Pierre au bord de la rue Gaillard et c'est là que j'ai vu les cadavres des personnes qui avaient été tuées, dont celui de M. Pidou, le négociant en vin et épicier du quartier. Il y avait plusieurs victimes. J'ai regagné mon domicile et j'ai manqué l'école pendant 3 jours parce que la Croix-Rouge m'a mobilisé et avec d'autres personnes, pendant 3 jours, j'ai transporté et recherché et transporté des cadavres des victimes pour les mettre dans le jardin de la Goutte de Lait. Bombardement du 27 février 1945. Voilà. J'étais carrément... Je suis passée partout où c'est tombé. Et je voyais, je recommence. Pidou, M. Pidou a été tué là. J'étais passée avant pour savoir s'il y avait du ravitaillement. D'arriver, quand est-ce qu'on va avoir le ravitaillement? Je l'ai vu, ce monsieur, dans ses caves là. Et puis je suis partie. Quand c'est tombé, j'étais au coin du... J'étais dans la faillette, au magasin, chez ma tante. Alors ça a été quelque chose. Je me souviens encore de l'enterrement. Il y a une chose énorme qui me manquait, la liberté. C'est idiot parce que quand on est jeune, on n'y pense pas, ce genre de choses-là. Et quand on vieillit, on a un plus gros besoin de retrouver des racines et de se rappeler. C'est rigolo, ça, ouais. Aussi bien en trouver moyen de vivre heureux quand même, on s'amusait, hein, faut pas croire. Hein, c'était autre chose. On pourrait évoquer bien d'autres souvenirs de cette période tragique dont, en terminant, je veux redire qu'elle est toujours extrêmement vivace en moi et jusqu'à la fin de mes jours.